Salut YouTube, c'est Martin. Ok, aujourd'hui nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va faire des sons avec TikTok. TikTok, si vous connaissez pas, vous vivez dans une grotte ou quoi là? J'ai toujours rêvé de dire ça. TikTok, vous connaissez ce réseau social où tout est permis, j'ai l'impression, beaucoup de choses s'y passent. Et il y a aussi des musiciens et des gens de talent qui sont sur TikTok. J'y suis, vous pouvez me suivre également, je poste régulièrement des choses folkloriques. Donc il y a des musiciens de grand talent qui font des vidéos, par exemple ils jouent de la guitare, ils font du piano, et ils disent aux beatmakers, aux producteurs de musique comme moi, de sampler leur truc, donc ce qu'ils ont posté, et de faire une prod par-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va en faire 2-3, on va en chercher quelques-uns, et on va faire des prods comme ça. Donc on va aller chercher les TikTok, comme j'aime les appeler. Bienvenue dans le monde incroyable de TikTok. Hop, on va aller dans mes trucs que j'ai enregistrés. Par exemple, voilà, exactement, typiquement ce que je vous montrais, Samples This. Voilà, donc c'est ce genre de truc qu'on va prendre. Non, j'en avais un avec du coup de la guitare. Ah oui, ça faut que je vous en parle. Ça, ce truc là, j'ai trouvé ça incroyable pour une entrée, une intro genre de DJ. En mode, si le mec doit démarrer son set, il démarre avec ça. C'est incroyable. Donc, mesdames et messieurs, pour récapituler, nous avons comme sample ce sample-là. En deuxième sample, mesdames et messieurs, nous avons celui-ci. Sans plus tarder, nous allons nous mettre à la composition. On est parti! Personne pour le faire avec moi, putain, c'est non, c'est nul. Bien, donc messieurs, dames, nous avons notre premier sample, c'est celui du ukulélé avec la fille qui joue comme ça. Là, j'aimerais bien qu'on rajoute un petit piano, on va rajouter un petit synthé. On va brancher celui-là. C'est bon, c'est allumé. Ok, donc on va se faire du coup les accords. Ok, mesdames et messieurs, les notes sont recalées. J'ai trouvé le preset. Nous en sommes ici et nous avons ça. J'ai envie d'utiliser les instruments du monde. On va faire de la world music. Celui-là est pas mal. On va prendre celui-là. Ok, maintenant j'aimerais bien une petite guitare qui fait des trémolos, genre. Je voudrais faire un truc qui fait, je voudrais, avec ce truc là, le Shaky Milou Guitar, je voudrais qu'on fasse ta-ta-ta-ta, comme d'hab accéléré au mémo. Le piano, le Shaky Milou Guitar est prêt, donc pour l'instant en termes de mélo nous en avons 4 et nous avons ceci. Thank you.
bah là, je pense qu'on va passer aux drums. Je m'en frotte les mains, ouais. C'est le cas de le dire. Splice Music, mesdames et messieurs, on va chercher un kick. Là, il me faut un kick qui a de l'impact. En fait, non, on va pas commencer par le kick, on va commencer par une snare parce que c'est plus facile. On va voir ce que ça donne. Maintenant, on va passer à la basse. Donc, je vais faire la basse. Je vais pas vous la montrer parce que sinon, bah, vous avez la prod en entière en vrai. Donc, je vais pas vous montrer la basse. Et on se retrouve juste après quand j'aurai fait le mixage final, mesdames et messieurs. Bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que cette première prod est terminée. C'est la prod du ukulélé. Et voilà le résultat. Fier de moi là. En plus, pour une petite prod, il n'y a pas grand chose et en plus, ça sonne plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien cette prod, oui ou non? Maintenant, nous nous retrouvons avec la deuxième qui est celle au piano, je répète. Et nous allons donc faire une prod là-dessus. Donc là, j'ai envie de faire un peu de trucs expérimentaux, c'est-à-dire mettre. Genre on va faire un truc un peu aérien, un peu space, un peu truc... Ok, donc déjà j'ai trouvé une petite mélodie à faire avec les pads. Maintenant faut trouver le bon pad. Mais par contre ce truc là a du potentiel, donc on va retourner dans les world music. Tu me déranges. Regardez qui vient me déranger. Casse les couilles, là. Bref. Bon, par contre, trouve-moi une mélodie là-dessus, là. Je voudrais un truc avec une sitar. Vous voyez, mesdames et messieurs, en fait, on est vraiment tous pareils. On chante, on espère bien pouvoir chanter, mais en fait, on fait de la merde et les autres, ils comprennent pas. Et il me dit des trucs compliqués, les refs. C'est pas facile. Bon, allez, c'est quoi, je m'y remets. Bon, ça y est, j'ai raccroché avec ce zigoto de Pierre. Maintenant, je vais essayer, du coup, de faire exactement ce qu'il m'a dit parce que je suis un suceur de beats. Ok, on passe aux drums, c'est bon, j'ai mon idée de drums. Me parlez plus là, c'est bon, je suis concentré. Je fais les drums, on se rejoint après les refs. Bien, donc mesdames et messieurs, nous avons terminé les drums. Voici à quoi elles ressemblent. Avant de vous dévoiler donc cette dernière prod, on va faire du coup la basse.
Mesdames et messieurs, j'ai terminé la basse de cette chanson un peu galactique, tout ça. J'ai kiffé faire ça, la vidéo home, j'ai trop kiffé. On a fait deux prods là, les deux prods sont cool. J'ai une petite référence pour la première qui vraiment est ma préférée. Les deux sont bien, vous pouvez retrouver ces prods sur TikTok et sur mon Insta. Voilà, qui s'affiche ici. Je suis youtubeur, je fais ce que je veux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce format. Et vas-y, on fera une partie 2. Je vais essayer de trouver, de dénicher les petites perles de TikTok et de trouver des instruments un peu plus originaux. Voilà, je vais vous laisser à l'écoute. Viens, on fait... Viens, on fait le clap de fin à distance ensemble. Ça sera pas du tout en même temps avec le. C'est pas grave. Le décalage horaire. Attends, ouais. Ça va, je suis au Maldives. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, les refs. Clap de fin. Allez, bisous, les refs.